Sur tout cela déjà. Hai fatto partire la registrazione. Dear colleagues, we are opening our chers collègues, nous commençons notre webinaire sur les expériences d'évaluation de pair comme outil d'évaluation, expérience Tunisie et Autriche. Bienvenue. Aujourd'hui, donc, on aura le webinaire en deux langues et vous pouvez choisir la langue qu'il vous faut. Donc, vous pouvez choisir à partir du bouton de l'interprétation qui se trouve en bas de l'écran. Si écouter en anglais et en français, je vous donne quelques secondes pour faire ces petites opérations. J'espère que vous avez réussi à choisir donc votre langue. Je suis Nadejda, je fais partie de l'équipe d'assurance de la qualité de ETF et je suis très contente de vous souhaiter la bienvenue de Turin, de notre quartier général donc de l'ETF. Bienvenue à toutes et à tous. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter nos rapporteurs d'aujourd'hui. Je demande gentiment à tous les participants d'éteindre leur micro, mais vous pouvez laisser par contre vos caméras allumées. Alors, à côté de moi, il y a Eva Jansova, ma collègue, qui va prendre la parole dans quelques instants pour vous faire une petite introduction sur le forum d'assurance de la qualité de l'ETF et à Turin. Puis, il y a Mounir, que vous connaissez déjà, qui va par contre vous parler de la démarche par rapport
aux visites d'évaluation de pairs. Bonjour Mounir. Il va vous parler aussi du manuel qu'on a mis au point sur point. Puis en Tunisie, on a Faisal Ben Ibrahim du ministère de la formation professionnelle pour l'emploi de Tunisie. Bonjour Faisal. Dans quelques instants, Faisal va nous faire une présentation de la visite d'évaluation de pairs comme outil d'évaluation et l'expérience de la Tunisie. Bonjour, Faisal. Et puis en Autriche, nous avons Franz Gramlinger du point de référence pour l'assurance de la qualité dans la formation et l'enseignement professionnel en Autriche. Il va nous en dire plus donc, sur leur expérience en la matière et comment ils utilisent donc, l'évaluation de pairs comme outil d'évaluation externe. Bonjour Franz, merci. Et puis au Royaume-Uni, on a Keith Bramford, expert en matière d'enseignement et formation professionnelle, et qui va prendre la parole à la fin du webinaire pour mettre en exergue le point clé du débat d'aujourd'hui. Bonjour Keith. Et puis, laissez-moi aussi accueillir notre public international. Bienvenue. J'espère que vous arrivez à bien m'entendre et à bien me voir. Et puis, ah oui, j'ai oublié de vous présenter notre ingénieur du son, Alessandro Martella, qui est à côté de moi. Au cas où vous auriez des pépins techniques, n'hésitez pas à nous le communiquer dans la chat. Alors, le webinaire sera enregistré et sera disponible et diffusé dans les versions anglaises et françaises dans le jour prochain. Si vous avez des problèmes par rapport à l'enregistrement, il suffit de suivre le webinaire avec la caméra éteinte et le micro éteint si vous n'êtes pas d'accord avec l'enregistrement. Tout d'abord, quelques petites annonces techniques sur, disons, les règles à respecter pendant la journée, pendant le webinaire, pardon, et aussi quelques petites règles donc, dont se rappeler. S'il vous plaît, éteignez toujours vos micros si vous ne parlez pas. Puis, pour ce qui est de... Voilà, des participants, vous pouvez voir la liste. Et puis, on vous a déjà parlé du bouton pour l'interprétation. Et puis, on vous invite toujours à poser des questions à nos intervenants. Vous pouvez utiliser la chat à cet effet. On aura des petites sessions questions-réponses spécialement consacrées à ça. Ma collègue Eva, donc, va réunir les questions et va les transmettre après à nos intervenants. Donc, quand on aura les sessions questions-réponses. Donc, soyez actifs, participez, partagez vos questions et vos remarques dans la chat, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Et puis, j'espère aussi que tout marche bien, que tout est clair. Je passe maintenant la parole à ma collègue Eva, qui va donc vous faire une présentation autour du Forum pour l'assurance de la qualité de l'ETF. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je vais faire une petite introduction donc sur ce forum sur l'assurance de la qualité de l'ETF. Alors, ETF est une agence de l'Union européenne qui s'occupe notamment des politiques de proximité d'élargissement et travaille dans les contextes et dans les domaines du développement du capital humain et travaille avec 29 pays partenaires, donc les pays de la Méditerranée du Sud, de l'Europe de l'Est. Et ce forum a été mis en place et lancé au mois de novembre 2017. Actuellement, ce forum a 16 membres qui représentent les pays de la Méditerranée du Sud et de l'Est, ainsi
que les régions européennes du Sud-Est. Mais l'objectif, c'est de l'élargir aussi à d'autres pays partenaires du ETF. Alors, quel est l'objectif principal de ce forum? L'objectif principal du forum consiste en la création d'une communauté internationale pour créer un espace de partage des informations, de pratiques et bonnes pratiques sur l'assurance de la qualité pour développer des mécanismes spécifiques aussi pour garantir la qualité requise et aussi pour travailler de façon plus efficace au niveau national. Il y a plusieurs outils qu'on utilise à cet effet à l'intérieur du forum et les visites de pairs sont l'un de ces outils. Et vous allez en savoir plus sur ces visites de pairs, disons, quels sont les points clés, quels sont, disons, les concepts à la base de cette approche et comment peut-on planifier et organiser une visite de ce type. Bon, merci. Merci beaucoup, Eva. Alors, nous pouvons continuer et... Maintenant, nous voudrions lancer un petit questionnaire, tout simplement pour comprendre si vous avez jamais utilisé les visites de pairs comme outil d'évaluation. Donc, est-ce que vous avez jamais été impliqué dans une visite de pairs ou est-ce que vous savez de vous avez été impliqué ou dans donc dans des visites ou revues de pairs? On vous laisse quelques instants pour répondre. Nadia. Yes. Encore quelques instants. Alors, voyons voir la réponse. Ah oui, c'est à 50-50. Alors, Mounir, je te passe la parole. Effectivement, on a donc comme taux de réponse 50-50. Mounir? OK, thank you very much, Nadia. Merci beaucoup, Nadia. Alors, nous avons donc la moitié de participants qui connaissent déjà de quoi il s'agit. Donc, voyons voir notre approche en la matière. Chers collègues, chers amis, vous êtes bienvenue à ces webinaires, notamment, je souhaite la bienvenue aux amis et collègues de plusieurs pays, aux membres du forum. La première partie donc, de ces webinaires sera une introduction de l'approche ETF aux visites de pairs. Je vais faire cette présentation, puis je vais donc parler avec Faisal Benbrahim qui a organisé donc ces visites, donc qui a été impliqué. Et puis on va voir aussi une autre façon d'utiliser ces visites de pairs dans les contextes des États membres. Et ce sera l'exemple de l'Autriche. Alors commençons avec la présentation. Nadia, I don't see my presentation in the on the screen. Okay, so first of all, what is a peer visit? It's alors, a form avant tout, qu'est-ce que c'est qu'une visite de pair? C'est un examen mené par le pair. Donc, c'est pour soutenir dans notre forum, c'est soutenir les membres du forum pour améliorer le forum d'assurance qualité au niveau du système. En effet, il s'agit d'un groupe d'experts externes appelés pairs et invités à donner un retour d'information sur les mesures d'assurance qualité.
Donc, voilà l'idée. Vous avez un système, vous avez des mesures et vous vous attendez à ce que des pairs vous donnent une feedback parce que il y a le désir d'améliorer la qualité. Donc, de manière à avoir des mesures qui vous aident à améliorer la qualité. Alors, avec cela, nous avons une certification de qualité. Voilà le but. So, it has lots of benefits for us. Alors voilà, ça nous donne deux bénéfices. The first one is that you go through. Alors voilà, avant tout, les avantages. Avant tout, cela vous donne une auto-évaluation de manière analytique. Là où les mesures d'assurance qualité sélectionnées en rédigeant un rapport sur le contexte national en collaboration avec les parties prenantes nationales et donc le présenter aux autres. Donc, c'est une auto-évaluation. So you look at the weaknesses, you look at the strength of that. Donc, on peut regarder en résultat un autre bénéfice. Et obtenir, se familiariser avec une perspective externe grâce aux commentaires de pairs. Normalement, on oublie les feedbacks des parties externes, tandis que cela aide à se familiariser avec d'autres perspectives et recevoir des conseils et découvrir de bonnes pratiques afin de développer davantage les approches d'assurance qualité à un niveau du système. Donc, non seulement on a un feedback, mais on obtient donc une réponse de retour de pair. La prochaine diapo. Alors, là, on voit les avantages pour les visites de pair. About the national system. Alors, avant tout, le système national, on a des systèmes nationaux différents avec des approches différentes. Mais le système de visite de pair a des opportunités. Alors, avant tout, découvrir les approches nationales d'assurance qualité, les mesures d'assurance qualité connexes présentées par un établissement hôte membre du forum. Cela permet de connaître les approches, mais aussi le système pour découvrir les bonnes pratiques. Cela permet de donner une réponse de retour et s'engager avec d'autres pour un apprentissage mutuel qui est très intéressant. Donc, voilà pour nous. Dans les forums. Je vais dire que les participants sont mieux des microphones. Il y a une interférence. Can you mute your micro, please? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre le micro? Merci. Alors voilà le bénéfice pour les autres aussi pour les visiteurs. Voilà la prochaine diapo. Alors, il s'agit d'un processus plutôt long pour organiser une visite par les pairs. Il y a quatre phases. Alors, quatre phases. Avant tout, la préparation de la visite de pairs. La phase 2, la visite de pairs. La phase 3, retour d'information par le pair. La phase 4, le suivi. Alors, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà la diapo qui nous montre les points, les différents éléments de la phase 1, donc la préparation de la visite de pairs, là où les pays d'accueil préparent un rapport sur le contexte national qui fournit les informations de base sur toutes les questions liées à la visite de pairs. Alors, il comprend les sessions suivantes. Les informations générales sur le système et l'assurance qualité dans l'EFP. On.
to decide what are the questions. Assessment. Ils décident les questions. On demande au père de poser des questions. Alors, si l'on songe à un feedback sur l'assurance qualité, quelles questions pourraient-ils être posées? Et comment on va utiliser les éléments de la visite? Alors là, c'est le contexte, c'est un rapport sur le contexte national. On va regarder les mesures, une autre évaluation, quels sont les avantages, les opportunités. Donc, on va faire une analyse SWOT, donc avec les différentes parties, le point de faiblesse, le point de force, et on utilise là comme un feedback. Bien sûr, aussi, il faut être à même de discuter avec le père, donc les questions d'évaluation spécifiques pour les pères en fonction de la mesure d'assurance qualité sélectionnée qui reflètent le système et qui doivent être partagées avec les autres parties prenantes. Alors, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà donc la phase 2, la visite de père qui définit la phase où les pères vont se rendre au pays d'accueil. Donc, les représentants des institutions membres du Forum HOT présentent l'approche de l'assurance qualité et la mesure d'assurance qualité choisie. Les pairs vérifient l'exactitude des informations fournies dans les rapports sur le contexte national, mènent le peuple enquête. Ils se rencontrent pour accueillir les données et évaluent les données supplémentaires liées à la mesure d'assurance qualité choisie. Il peut y avoir deux tables rondes, des visites aux institutions, des discussions individuelles avec les parties prenantes pour comprendre et collecter aussi d'informations que possible. Il ne faut pas oublier que l'objectif est donner un feedback, donc une réponse de retour sur cette mesure. Et donc, analyser dans le contexte national. L'idée est donc comprendre le système, être à même de donner un feedback après avoir compris le contexte national. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, dans notre approche de visite de pair, on peut avoir différents forums, le feedback individuel ou le feedback conjoint de pair. Chaque participant, donc dans le premier, peut donner son feedback ou bien un feedback conjoint. Il s'agit d'un processus plutôt long et complexe. Le pays doit par la suite analyser, tandis que la deuxième approche, donc l'institution membre du forum HOT reçoit un feedback consolidé, car les différents points de vue, idées, attitudes en relation avec la mesure d'assurance qualité sélectionnée sont discutés en profondeur et avec beaucoup de soin dans le groupe de pairs. Donc, nous avons là deux différentes approches. Donc, le premier, là où chaque individu peut exprimer son feedback, et le deuxième, de façon conjointe. Prochain transparent, alors, phase 4, c'est le follow-up, c'est le suivi. Alors, une fois qu'on a reçu le feedback, il y a une interférence. Excusez-nous, est-ce que vous pouvez éteindre le micro? Il y a une interférence. Merci. Alors, voilà la dernière phase, là où le pays va analyser le feedback. Ce qu'on peut tirer de là, ce qui est visible
Et les autres parties prenantes qu'on a vues, donc on a partagé le feedback, la réponse de retour, d'information et les recommandations, les observations. Donc, il s'agit d'une phase très importante parce que tout le processus se concentre sur obtenir le feedback. Donc là, c'est la partie complémentaire du pays hôte, donc le processus de suivi qui comprend ces deux parties. Donc le feedback de pair analysé et le résultat de l'étape 1 sont introduits. La prochaine diapo, alors là, ce sont les observations de conclusion. Donc, organiser une visite de pair donc, est un processus assez complexe, comme on l'a vu. Il exige un niveau élevé d'engagement et de participation de la part des institutions du pays d'accueil. Donc, nous avons vu que la plupart des objectifs de la visite de pair ne seront pas atteints si la phase 4 n'est pas mise en œuvre. Et nous avons vu qu'il faut aussi mener une auto-évaluation. Et on sait que ce processus a besoin de beaucoup de temps, prend beaucoup de temps. Nous avons aussi besoin de l'engagement des institutions. Donc, il faut ouvrir le système. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple d'analyser un système et admettre que quelque chose ne fonctionne pas comme on le souhaitait. Alors, s'il n'y a pas assez d'engagement, le résultat de la visite de pair ne peut pas être reconnu. Alors, comme on l'a vu, la plupart des objectifs de la visite ne seront pas atteints si l'on ne met pas à jour et l'on n'applique pas les recommandations de la phase 4. Si l'on ne met pas en pratique le conseil, et donc la phase 4 est certainement la plus difficile. La phase plus complexe, mais qui est la phase clé, la phase plus importante. Alors voilà comment nous avons conçu cette approche. Je pense que nous avons l'open space, là où l'on peut discuter, on peut trouver des approches, des éléments pour discuter. Si vous allez regarder dans le site web, dans la page, vous allez trouver plus de détails. Maintenant, on aimerait bien montrer un exemple. Et ici, j'aimerais bien demander l'intervention de Faisal. On a pensé qu'au lieu d'avoir une présentation, je vais vous présenter Faisal et on peut prendre les questions de la chat directement et demander à Faisal de répondre aux questions. Mais déjà, il y a quelques questions à poser à Faisal sur comment les visites de pairs ont été organisées. Faisal, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, je suis prêt. Merci beaucoup, Faisal. Alors, ma première question va être de vous présenter vous-même. Avant tout, bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Faisal Benbrahim de Tunisie. Je suis le directeur de l'évaluation et qualité dans le ministère de la formation professionnelle de l'emploi à Tunis. Ma fonction dans ce département consiste dans la gestion des activités liées à l'assurance qualité
au sein des agences intermédiaires du ministère. Par exemple, nous avons contribué au projet de la mise en œuvre de standards de qualité dans les agences, dans l'Agence nationale de l'emploi et aussi dans les bureaux régionaux. Et nous contribuons au projet de mise en œuvre de standards liés à l'approche basée sur les lieux de travail pour les entreprises. Et en même temps, aussi les personnes de référence, par exemple pour l'ETF, dans le EFP, je suis la personne de référence pour EFP, et j'ai assuré plusieurs activités liées aux activités du forum, telles que la préparation des indicateurs de qualité, la participation dans quelques sondages ou les activités organisées par le ETF, telles que les visites de pairs. Merci beaucoup. J'ai quelques questions concernant spécifiquement les visites de pairs. La première question que j'aimerais bien poser, c'est comment que vous avez décidé de organiser les visites de pairs. Nous savons que c'était la première expérience, c'était aussi la première expérience pour le forum. Alors, pourquoi avez-vous choisi de prendre cette démarche? Merci. En effet, notre engagement dans l'organisation des visites de pairs a deux raisons. La première est confirmer le rôle de l'engagement tunisien dans le forum pour l'assurance qualité de EFT et de contribuer effectivement dans les activités pour leur amélioration. La deuxième raison à la base de ce choix est saisir les opportunités offertes par ETF pour être évaluées externement, donc par le pair dans le forum, et pour identifier les mesures pour l'assurance de la qualité, qui est quelque chose de très important pour nous, donc être évalué et savoir comment on peut améliorer avec une approche de ce type. Quelles étaient les mesures? Les mesures sélectionnées étaient le processus de certification, la formation de EFP en Tunisie. Et il s'agit des mesures de l'assurance qualité où les acteurs principaux, les parties prenantes, étaient le centre pour la conception des programmes scolaires et de la formation professionnelle. Donc, vous avez mis en œuvre une approche pour certifier les compétences pédagogiques des formateurs, n'est-ce pas? Oui. Et quelle phase, si l'on regarde au forum, c'était quelle phase du processus lorsque vous avez organisé la visite de pair? C'était dans quelle phase? Oui, en effet, concernant le schéma d'assurance qualité, notre mesure d'assurance de la qualité concernait le processus de conception du programme, donc au début de réflexion sur comment mettre en œuvre ce processus. Donc, entre les deux phases selon le schéma. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de plus par rapport à la préparation des visites de pairs? Oui, concernant la préparation et aussi d'après ce que vous avez présenté auparavant, ça
On s'est concentré sur ces deux types de travail. Le travail préparatoire qui a été divisé dans deux phases. Avant tout, le travail de coordination. Cela signifie que nous avons préparé l'engagement de parties prenantes dans cette expérience. Et nous avons établi un groupe de travail pour préparer tous les documents et les réflexions sur les mesures pour l'assurance de la qualité. La deuxième démarche a été de préparer les documents, par exemple le rapport sur le contexte national, la présentation de nos propositions. Il s'agit comme d'un cycle pour... Donc, c'est comme la préparation d'un appel d'offres. Il faut préparer les documents et préparer la présentation à ETF. Donc, cela prend quelques jours avant les visites. Donc, les documents, la préparation de documents pour les participants, pour l'agenda, le programme, etc. La prochaine question qui a été demandée dans le forum est quels ont été les résultats de visite pair. Les résultats de visite pair pour nous ont été recevoir le feedback de pair de la part de nos collègues et cela a été à propos de points de force et de faiblesse de nos mesures sélectionnées pour l'assurance de la qualité. Nous espérons apprendre davantage par le pair concernant les mesures de l'assurance de la qualité. Donc, d'après leur expérience dans leur pays et dans des cas similaires, par exemple, et selon le contexte de formation des formateurs et des certifications du processus, sur comment ils peuvent exprimer leur avis et leur contexte. Et là, nous avons aussi eu des réponses sur l'assurance qualité, sur comment les parties prenantes au niveau national sont engagées dans le débat avec les experts. Donc, avec l'assurance qualité, les mesures d'assurance qualité, nous avons pu discuter de possibilités de prendre en compte les mesures pour l'assurance de la qualité d'après le critère de créditation de fournisseurs de formation professionnelle. Il s'agissait de vos objectifs, n'est-ce pas? Donc, ma question était plutôt à propos de résultats, les résultats, plus que les objectifs. C'est quoi que le pair vous a dit à propos de mesures choisies? Je pense que nous avons obtenu plusieurs résultats d'après leur feedback. Avant tout, la pertinence des mesures de l'assurance qualité utilisées dans le mécanisme au sein de notre système pour élargir la qualité, augmenter la qualité. Donc, nos mesures ont été confirmées et les parties prenantes nationales se sont encore plus engagés dans le processus. Le fait que les pairs vous ont dit
que c'était très positif et il fallait continuer sur cette ligne, vous a engagé de la bonne manière, vous engagez davantage pour mettre en œuvre ce processus. Oui, exactement, c'est ce qui s'est passé avant tout cela. Et deuxième, la reconnaissance pédagogique de la formation a été mise en exergue, mise en valeur par ce processus. Grâce à ce processus, grâce à la participation de pairs et à l'organisation d'événements nationaux et internationaux qui ont persuadé sur l'importance de la valeur pédagogique. Donc, je dirais que les démarches ont encore plus pris de valeur. Je peux partager avec vous encore une réflexion sur le processus d'implémentation au niveau national. Nous avons discuté de cela au cours de visite de pairs. Comment mettre en œuvre quelques réflexions pour continuer sur ce chemin. Et les collègues ont apprécié les commentaires faits concernant la possibilité de mettre en œuvre un autre processus de certification de formation pédagogique. Donc, la toute dernière question tirée de la chat qui correspond à la phase 4. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait à la suite du feedback? Après la visite de pair? Oui, oui, oui. Après le feedback, donc après le retour d'information de pair, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait avec les recommandations tirées de pair? Vous avez révisé quelque chose dans le processus? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez fait en pratique après la visite? Comme je le dis, le processus est toujours en cours. Donc, nous avons fait des réflexions et nous avons élaboré des codes pour mettre en œuvre le processus. Et maintenant, nous avons une situation plutôt stable qui a été validée et discutée avec les parties prenantes. Et maintenant, on peut mettre le processus en œuvre. Nous avons vu la cohérence entre le ministère et la conception de la formation pour les formateurs. Donc maintenant, nous pouvons continuer le processus. Can you identify any improvements? Est-ce que vous pouvez identifier en particulier des améliorations, en particulier sur la base du feedback que vous avez reçu de pair? Oui, quelque chose que de mon point de vue a représenté une opportunité qui est liée aux aspects réglementaires. Parce que, comme vous le savez, le processus doit être coordonné avec notre cadre, notre réglementation cadre. Et l'idée d'intégrer ce processus maintenant est très claire. Et nous avons travaillé donc dans ce sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. Alors, j'ai encore une remarque, s'il vous plaît.
je voudrais recommander ce système de visite de pairs pour choisir les mesures pour l'assurance de la qualité et pour mettre en œuvre ces mesures. Parce que cela donne un bon impact, un impact très positif au système entier. En effet, Mounir, j'aimerais bien vous remercier, et je remercie Nadia aussi, pour avoir organisé cette rencontre, pour avoir donné un coup de main, pour nous avoir aidé à organiser ces visites. Et très sincèrement, je vous remercie. Je ne peux pas assez recommander le système. Merci beaucoup, Faisal. Je suis en train de regarder aux questions dans la chat. Alors, il y a deux choses que j'observe. La sélection des mesures, c'est comment que vous pouvez sélectionner les mesures sur la visite de pair. Cela dépend de votre système. C'est très important, donc on peut avoir un impact au système. Nous avons beaucoup de feedback de la part de Assurance Qualité, de Pair. Est-ce que vous songez à deux points qui ne donnent pas assez de résultats ou bien des tâches qui demandent beaucoup de ressources, de temps, qui sont extrêmement complexes? Et donc, il faudrait le savoir. Et voilà l'un des résultats qu'on a vu dans l'expérience tunisienne et qui peuvent aider le système. Le deuxième point est une question de la personne de contact au Maroc. Alors, par rapport aux mesures à mettre en œuvre, on peut avoir des mesures sur plusieurs phases. On peut tout d'abord les concevoir et puis on peut poser des questions donc au pair pour avoir une évaluation. Et ça peut se passer à n'importe quel moment, c'est-à-dire qu'il y a des questions d'évaluation très importantes qu'il faut aborder. Il faut identifier des questions à poser au pair, donc il faut y réfléchir. Et je pense que les questions dépendent de la phase. Donc, si on est dans une phase de conception, on pose des questions sous cette phase. Sinon, si on est à une autre phase, on pose des questions sur cette phase-là, celle concernée. Donc, indépendamment de la phase où vous vous trouvez dans le cycle de la qualité, donc il faut toujours garder à l'esprit le fait qu'il faut poser des questions concernant la phase que l'on vit à une heure spécifique. Eva, est-ce que peut-être tu as d'autres questions que tu as, disons, tirées de la chat? Oui, j'ai quelques questions moi aussi. Alors, tu as déjà abordé des très bonnes questions, mais il y a une question, par exemple, pour Faisal. Alors, comment a été perçue la visite de pair dans votre pays par les parties prenantes et comment, donc, on a organisé aussi le support à la visite? Comme j'ai dit, l'élément clé dans la préparation de la visite consiste à monter une équipe de travail qui, en fait, est composée de membres du ministère, institutions de référence, de partenaires. Et donc, à partir du moment où on commence la préparation et donc à partir du moment où les parties prenantes sont impliquées et participent activement au processus, donc par conséquent,
les parties prenantes peuvent continuer après, tout au long du processus de la visite de pair. Pour nous, par exemple, nous avons suivi cette idée. Et donc, à notre avis, l'exclusion des parties prenantes à partir de la première étape aurait été une menace. Et donc, à notre avis, il faut éviter cette menace au processus. Voilà pourquoi c'est déjà à partir des tout premiers balbutiements de préparation de la visite qu'il faut impliquer les parties prenantes concernées. Merci beaucoup. J'ai encore une question à poser. Je pense qu'on a encore quelques minutes pour ça. Alors, il y a eu plusieurs questions concernant les recommandations. Et donc, elle mesure les recommandations après sont transformées en actions concrètes. Alors, vu que vous avez déjà répondu à cette question, je vous pose alors une autre question. Quelle a été la chose la plus difficile à mettre en œuvre par rapport aux recommandations? Est-ce que pourriez-vous nous faire des exemples? Par exemple, qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en œuvre? Et voilà. Ça, c'est important de savoir comment vous avez procédé. Alors, il y a toujours des difficultés. Par exemple, lors de l'actualisation des réglementations, du point de vue législatif, notamment la réglementation en matière de processus et certification, on a tenu compte de plusieurs facteurs. Il s'agit de l'une des difficultés qu'on a dû aborder, car en fait, on a dû résoudre cette question, mais il y en aura d'autres à l'avenir. Par exemple, comme... par exemple, la reconnaissance de cette certification. Il faut comprendre les cas où il faut la mettre en œuvre efficacement, effectivement, car en fait, nous pouvons, par exemple, nous rendre compte des difficultés au fur et à mesure que l'on procède. Si, par exemple, on fait de la formation professionnelle, dans ce type, c'est-à-dire que les formateurs est un formateur professionnel, mais il peut arriver que confronté à un processus de certification, la réussite en termes d'accréditation par rapport au processus n'est pas toujours, disons, évidente. Et donc, il faut penser à toutes les possibilités. Donc, il peut arriver que, par exemple, un formateur ne reçoit pas l'accréditation. Par exemple, ça, c'est un cas. Et ça, c'est une possibilité. Voilà donc qu'il faut donc discuter sur ces cas-là et le faire au sein d'une équipe spécialisée en la matière. Merci. Si je peux, j'aimerais bien rajouter quelques mots là-dessus avant donc de passer à la présentation de Franz. Alors, la visite de pair en Tunisie a concerné donc le processus de certification avec les difficultés que Faisal a expliquées. Et voilà, les membres du forum parfois ne sont pas des experts de ces processus, ils sont des experts en matière d'assurance de la qualité. Alors, on s'est concentré dans la phase de conception de ce processus des questions clés. On s'est concentré donc sur la conception du processus, et donc pas dans le processus, mais dans la conception du processus. Et donc, on s'est concentré sur les problèmes résultant du processus et surtout quels auraient été les problèmes résolus par ces processus. Donc, est-ce que les parties prenantes concernées étaient vraiment impliquées et donc quelles étaient les ressources nécessaires pour faire ça? Est-ce qu'on avait prévu les implications et les conséquences sur les formateurs certifiés? Donc, on a fait ce travail de remue-ménage au niveau de la phase de conception.
pour les aider à mettre au point le processus. Mais nous ne sommes pas rentrés dans le fond du processus, car après, par rapport donc au fonctionnement de la certification, ça ne revenait pas à nous comme compétence. Nous avons tâché de les aider et les soutenir par rapport à la phase de conception, pour, afin qu'ils puissent se poser les bonnes questions. Et donc, côté assurance de la qualité, et donc le travail sur le fond ne revient pas forcément à une équipe d'assurance de la qualité. C'est ça que je voulais mettre en exergue. Merci beaucoup, Mounir, Faisal, Eva. Maintenant, on va continuer et je passe la parole donc à Franz Gramminger, qui est responsable du point de référence autrichien pour l'assurance de qualité dans la AEFP et qui va donc nous en dire plus sur leur expérience. Franz, je te passe la parole. Merci beaucoup, Nadezhda. Alors, j'aimerais bien présenter et partager donc ma présentation. Est-ce que vous arrivez à la voir? J'ai partagé ma présentation. Super. Oui, on la voit très bien. Alors, pendant ma présentation, j'aimerais bien aborder quelques thèmes clés. Alors, disons que j'ai 17-18 minutes à ma disposition, mais ça va marcher. Avant donc de passer à ma présentation, juste deux phrases sur ce, d'où je viens, qu'est-ce que je fais. Alors, je suis le responsable du point de référence autrichien pour l'assurance de la qualité dans l'AEFP. Et donc, nous voulons être un point de repère pour ce qui est de l'enseignement et de la formation professionnelle. Nous faisons déjà ça depuis quelques années. Et le thème dont on parle aujourd'hui est le résultat donc aussi du cadre ECAVET. Et avec mon équipe, on est 5 au total dans ces points de repère, points de référence. Et j'étais impliquée aussi dans la mise au point des visites de pairs ainsi que du manuel spécifique en la matière. Avec Mounir, Nadezhda, Elizabeth Walker, tous les autres. Donc, probablement, ce que vous allez entendre de moi donc, se rattache donc, beaucoup à ce que Mounir et Nadezhda ont déjà dit. Donc, je vais passer en revue rapidement les premiers transparents pour m'attarder plutôt sur d'autres points, car les visites de pairs et l'évaluation de pairs sont des outils qu'on utilise de façon similaire. Alors, et aussi comme terme, car en général, ce sont des concepts apparentés qui ont la même notion, disons, à leur base. Mais je vais revenir sur ça plus tard. En Autriche, très rapidement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un système assez structuré, donc d'écoles EFP, quelques-unes à temps plein au niveau secondaire et d'autres dans les systèmes dual en roue, donc en Autriche, dans les systèmes nationaux de l'éducation. Il faut dire que c'est un bon système, je peux l'avouer, et surtout, c'est très apprécié aussi par les étudiants, la société civile. Et presque un tiers de tous nos étudiants entre donc 16 ans et 19 ans donc font partie de ces systèmes, participent à ces systèmes d'enseignement et formation professionnelle. Et nous avons au total 720 établissements et structures. Et donc voilà donc le réseau dans lequel nous avons mis en place les systèmes d'assurance de la qualité par rapport aux visites de pairs. Et il y a eu un système d'assurance de la qualité qui avait été déjà lancé en 2004, surtout pour les établissements d'EFP. Et donc, ce sigle que vous voyez, QIBB, c'est le sigle de cette initiative d'assurance de la qualité qu'on avait lancée déjà à partir de 2004 pour donc, les écoles et les établissements EFP et aussi les écoles et les établissements de notre système dual. Et donc, on a déjà accumulé un tout petit peu d'expérience pendant quelques années
Voilà, donc vous comprenez bien, c'est depuis 2004. Mais après, nous avons actualisé ces connaissances au fur et à mesure que donc, ce système a été développé. Et voilà, disons, il y a une histoire que nous avons vécue avant le forum, mais j'aimerais bien, dans un instant, revenir sur un point, car en fait, un élément important quand je parle de revue de pairs au sein de notre système, je fais référence à une phase de transition, car il y a un nouveau système juridique de gouvernance. Et l'un des résultats de cette transition, c'est qu'on va changer les systèmes de gestion de la qualité et on va passer donc d'un système spécialisé spécifique pour les écoles EFP, mais on aura aussi donc un système, disons, plus centralisé pour toutes les écoles. Donc, on va fusionner à partir du début de l'année prochaine. Donc, cette expérience du QIBB donc, va être terminée, disons, et on aura un nouveau système de gestion de la qualité, d'assurance de la qualité qui sera harmonisé avec toutes les écoles, disons, du système de l'éducation nationale, mais ça fera l'objet d'une autre étape de développement de notre système au niveau national. Et puis, on a beaucoup misé au sein de notre processus sur l'auto-évaluation. Pour nous, ça a toujours été au centre de l'approche. Donc, il y a le cycle de la qualité, et vous le voyez ici, c'est donc notre cycle de qualité CAVET. Et puis, on a aussi notre cycle de qualité QIBB. Donc, vous voyez qu'ils vont de pair. Vous voyez donc au fur et à mesure, donc, on a tiré plein de leçons de ces approches. Pour ce qui est du cycle de la qualité, on a donc décidé de se concentrer sur l'idée de l'auto-évaluation et surtout, l'évaluation extérieure n'était pas obligatoire. Ce sera comme ça à l'avenir, mais pas par les passés, c'est-à-dire que les écoles donc pouvaient avoir recours à une évaluation extérieure, mais sur disons base volontaire. Et donc c'était optionnel, c'était pas obligatoire. Et pour nos écoles, nous avons développé donc un système d'évaluation de pair, toujours sur base volontaire. Donc, si on voulait un avis extérieur, donc un feedback de l'extérieur, on donnait cette possibilité donc de la visite de pair. Et voilà, ça se rattache de près à ce que Mounir et Faisal ont déjà dit. Et notre tâche consistait en la mise au point de cette revue de pair. Et on s'est basé pour faire ça sur donc, ces concepts qui viennent d'un projet Leonardo Vinci auquel ont participé plein de pays, y compris l'Italie, la Roumanie, la Finlande et d'autres pays aussi, qui donc visaient la mise au point d'une méthode de ce type, déjà il y a quelques années. Et après, on l'a adapté, ajusté à nos écoles en Autriche. L'idée, c'était de mettre au point donc une offre, donc quelque chose qui était disponible. Vraiment, ça se rattache de près à ce que Mounir et Faisal ont dit. Donc, on a donné la possibilité donc d'améliorer de par une équipe de pairs, donc d'esprit critique amicaux, d'avoir donc un état, disons, de la situation. Et donc, c'est un système qu'on n'a pas, disons, inventé. On a juste mis au point des outils et des mesures qui étaient déjà là. Donc, la revue de pair n'a pas été, disons, lancée tout de suite après le lancement du système QIBB. Il nous a fallu quelques années pour peaufiner la méthode. Et il y a plusieurs décisions que les écoles peuvent donc prendre, mais surtout qui doivent prendre. Et donc, pour ce qui est de ce feedback, les écoles doivent décider quels sont, disons, les domaines sur lesquels
on désire avoir un feedback. Je reviens sur une chose que Mounir a dit. Il ne s'agit pas seulement, disons, de ce que les écoles voient comme quelque chose qui ne marche pas ou qui ne fonctionne pas, car en fait, l'assurance de la qualité a affaire à une amélioration continue et on sait qu'on peut toujours améliorer, ça ne se termine jamais. Et donc, c'est très important à garder à l'esprit, car même des écoles très bonnes ont décidé de se soumettre à ce processus, car vraiment, malgré les très bonnes performances, voulaient améliorer. Donc, la question, c'est vraiment d'améliorer de façon continue. Et voilà, ça, c'est très important. Pour voir aussi peut-être s'il y avait des domaines d'amélioration qui on n'avait pas vu très bien. Et surtout, quels sont les pairs, disons, qu'on voulait inviter. Et donc, on pouvait les choisir. Et puis aussi, les écoles pouvaient décider à qui montrer les résultats et après, comment les utiliser. Et ça aussi, c'est très important, car en fait, c'était aux écoles de décider à qui montrer les résultats et avec qui le partager, au-delà, évidemment, disons, de la direction. Voyons voir, donc, les modèles qui, d'ailleurs, sont très proches du modèle présenté par Mounir. C'est les modèles que les écoles doivent appliquer. Et cela nous a coûté beaucoup de ressources, d'argent, de temps, d'énergie. Et donc, il faut présenter une demande. Il y a tout un travail préparatoire, si la demande est approuvée. Et voilà, après, il y a ces processus qui démarrent. Il y a la visite, puis le rapport, puis le feedback, et le suivi, et j'en passe. Parfois, il ne s'agit pas seulement d'un feedback, mais surtout de garantir un suivi. C'est ça qui compte le plus. Nous avons développé toute la méthode et toute la procédure de façon graduelle, donc, car c'est un travail continu là aussi. Voyons voir l'outil de suivi que nous avons développé en collaboration avec un professeur en Allemagne. Et on a donc invité un expert qu'on pouvait consulter pour donc coordonner les sessions de follow-up pour faire en sorte que le feedback soit transmis, mais aussi qu'il fasse l'objet après donc d'actions concrètes. Et on a donc défini une structure bien précise avec beaucoup de matériaux, avec une base de données de pairs compétents qui sont vraiment des experts en la matière, par exemple des gestionnaires de la qualité, des enseignants d'autres écoles qui donc se mettent à disposition pour jouer le rôle de pair. Il y a une base de données avec ces contacts et puis on a aussi des points de contact spécifiques pour ce qui est de l'université qui s'occupe de la formation des formateurs. Et puis, nous avons aussi des conseillers qui s'occupent de la promotion aussi de ces systèmes, car il y a des écoles qui donc voudraient faire l'objet d'une revue de pairs, mais il y en a d'autres qui ne connaissent pas cet outil. Et puis, on a aussi mis au point une méthode pour une évaluation de cette méthode. Voilà. Voilà donc la base des données des pairs. Vous pouvez voir donc comment se présente. Et puis les pairs peuvent aussi faire l'objet d'une formation, donc c'est-à-dire qu'ils doivent montrer d'être vraiment qualifiés tous les deux ans à peu près, donc qu'ils ont un petit peu mis à jour et actualisé leur connaissance en la matière. Et puis, ici, vous voyez des pages tirées de notre site web. Malheureusement, quelques-unes ne sont encore disponibles qu'en allemand. Mais voilà, il y a plein d'informations. Et comme je disais, vous voyez en fait ici qu'il y a toute une série de documents, de formulaires,
de les directrices, mais aussi de vidéos pour exprimer exactement et expliquer de quoi il s'agit. Et en fait, l'objectif, c'est d'améliorer aussi les processus décisionnels à l'intérieur des écoles et des établissements. Et à la fin, il y a aussi une sorte, disons, de reconnaissance officielle, une cérémonie pour primer tous ceux qui, disons, sont allés jusqu'au bout. Et alors, il y a ces attestations, ces certifications qui sont remises donc au directeur des écoles et c'est toujours un très beau moment. Donc, il y a une attestation et puis il y a aussi donc il y a une sorte de logo avec l'année et donc c'est comme une sorte de certification, disons, une certification ISO pour certifier et prouver en fait que cette école a fait l'objet d'une revue des pairs. Encore trois transparents, s'il vous plaît. Patientez encore un instant. Et surtout, quels sont les avantages à tirer de ce type de visite, pardon, de revue des pairs? Comme Faisal l'a dit, en fait, c'est très bien de les avoir car, en fait, c'est bien d'avoir cette possibilité. Et surtout, c'est volontaire, c'est pas obligatoire. Et surtout, c'est quelque chose qui vient toujours des collègues. Donc, le feedback vient des collègues, donc de pairs, pas d'inspecteurs, pas, disons, de directeurs. Ça, c'est très important. Et puis, d'un côté, il y a le désir donc d'améliorer, mais de l'autre aussi de savoir dans quoi on est déjà assez bon. Donc, comme une sorte de réaffirmation et confirmation de sa propre compétence. Donc, ça est très important aussi pour les écoles. Et aussi, après, ce feedback donc montre non seulement les points faibles possibles, mais aussi les points forts. Et ça aussi, ça compte et c'est important. Et puis, on est conscient du fait qu'il y a des domaines d'amélioration et surtout, comment le faire? OK, on a deux points forts et ça, c'est très bien, on a deux points faibles. Et comment, surtout, on peut améliorer les points faibles? C'est très bien de le faire à n'importe quel niveau, à niveau systémique ou à niveau d'école individuelle. Et en fait, il y a beaucoup de similarités tant qu'on l'applique le système au niveau de système qu'au niveau de d'école individuelle. Et aussi, d'un point de vue, disons, de marketing, il faut dire qu'il y a une concurrence entre les différentes écoles en matière de fait pour attirer les étudiants. Et donc, en fait, je pense que le fait d'avoir une sorte de certification, d'étiquette, de label est positif. Et surtout, il est important de savoir qu'une revue de pairs est un processus, disons, qualitatif et non pas quantitatif. Et donc, c'est une procédure qui concerne la qualité et pas la quantité. Et donc, s'ils veulent donc se concentrer sur d'autres aspects plus quantitatifs, ce n'est pas la bonne procédure. Et surtout, il s'agit d'une procédure qui concerne le fond, c'est-à-dire que c'est une procédure concrète. Si une école, par exemple, ne veut pas ce type de feedback et si, par exemple, vous voudrez faire ça seulement pour des raisons de marketing, alors, ce n'est pas la bonne façon de procéder. Donc, ce n'est pas un choix idéal. Donc, si on veut faire une chose comme ça juste pour des raisons de marketing. Et puis, je reviens à ce que Faisal a dit. Il faudrait impliquer le plus grand nombre possible d'enseignants au sein d'une école, car en fait, ce n'est pas quelque chose qui ne peut concerner que le manager qualité ou le directeur d'une école du tout. Ça va bien au-delà de ces deux personnes. Bien au contraire, il faut qu'il y ait un intérêt commun et partagé, surtout, disons, des enseignants. C'est ça qui compte. Et surtout, une revue de ce type sera réussi dans la mesure où le plus grand nombre possible de personnes sera impliqué et on aura connaissance. Et puis, ça, c'est mon dernier transparent. Je dois dire que
pour ce qui est des revues de pairs, donc elles requièrent beaucoup d'efforts, mais après, l'on voit toujours que ça vaut la peine pour les écoles concernées, pour le système en général. Le feedback a toujours été précieux et aussi pour les pairs, car les pairs aussi apprennent toujours beaucoup de ces expériences. Et voilà, ça, c'est toujours important à garder à l'esprit. Et puis, l'on voit toujours qu'il y a un taux de satisfaction des écoles qui est toujours assez élevé. Et surtout, il y a eu un grand avantage que les pairs ont tiré. Ça aussi, c'est très important. Et comme j'ai dit, cette méthode, c'est une méthode, voilà, qui on peut appliquer, mais dans l'optique d'une amélioration continue. Excusez-moi si je me suis attardée un petit peu plus que prévu. Merci beaucoup, Franz, pour ta présentation. Voilà, j'invite donc nos participants à poser des questions. Donc, à nos intervenants, ils sont là pour vous. Avant de commencer avec la session de questions, j'aimerais bien parler des approches pour organiser les visites de pairs. Comme on l'a vu, cette approche a été en Tunisie pour demander le feedback de pairs sur le système de certification et sur comment les visites de pairs ont été utilisées par le fournisseur. Alors, maintenant, j'aimerais bien demander aux participants comment ils peuvent considérer les visites de pairs en tant que mesure d'assurance de la qualité. Donc, on va lancer un sondage. Vous voyez la question affichée sur l'écran. Alors, envisagerez-vous d'utiliser la visite, la revue de pairs comme mesure d'assurance qualité dans vos institutions? Alors, prenez votre temps pour répondre à la question. We'll keep it for a couple of seconds. Alors, on va juste attendre quelques secondes. A few more seconds. Encore quelques secondes. Okay, I think we can close it. Je pense qu'on peut clore le sondage. Voilà le résultat. Wow, we have 88% of our audience. Alors, 88% considèrent, donc envisagent d'utiliser la visite, la revue de pairs comme mesure d'assurance qualité. Et 12% non. Ne sait pas. Donc, nous avons été convaincants. Merci. Merci aux participants. J'aimerais bien maintenant donner la parole à Eva et Mounir pour ouvrir la session de questions-réponses. Est-ce que nous avons deux questions? Oui. Nous avons des questions, mais comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais juste analyser quelques questions. Et on pourra par la suite continuer sur l'Open Space ETF. Alors, la première question à Franz, qui est liée à la question de pairs. Donc, vous avez dit qu'il y a une base de données de pairs et la question est la suivante. Pour fournir des recommandations, on doit être qualifié pour le faire. Est-ce qu'il y a deux éléments nécessaires, des caractéristiques spécifiques? Oui, nous avons trois messages avant tout, trois nécessités. Les personnes, en tant que pairs, elles sont sur le même niveau, donc ils sont sur le même niveau que les autres qui reçoivent le feedback, c'est-à-dire qu'ils doivent être de praticiens à l'école ou dans l'assurance qualité. Dans le système de cours, il y a un enseignant, c'est-à-dire
qui passent 2-3 heures par semaine dédiées à l'assurance qualité. Ils doivent avoir suivi un parcours de formation et ils doivent faire une autre formation la deuxième année. Merci. Est-ce qu'il y a deux pairs engagés sur une base volontaire ou bien ils sont payés pour être deux pairs? Et s'ils sont payés, les fonds sont fournis au niveau central ou au niveau des écoles? Les pairs sont des enseignants normalement, donc il y a une préparation qui ne serait pas un paiement comme un paiement comme le salaire, mais je peux dire mais comme un groupe de pairs. Donc, les pairs font partie d'un groupe de pairs. Donc, ils ont un type de rémunération, pas vraiment un paiement, mais juste comme quelque chose de forfaitaire, comme un remerciement, comme une forme de remerciement. Comme quelque chose comme 400 euros, et cet argent arrive du ministère. Et aussi le remboursement de coûts. Je pense que c'est là aussi dédié pour la visite de pair. Donc, ce sont des fonds qui sont utilisés pour, comme un investissement de la part de système, mais aussi des écoles. Très clair, merci. Maintenant, c'est plutôt un commentaire. Le fait que les écoles peuvent choisir elles-mêmes les visites pairs, est-ce qu'ils peuvent choisir les pairs? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts? Au contraire, ils doivent s'assurer que le pair soit à même de répondre aux questions. Parce que vous savez, il y a une gamme de questions concernant l'assurance de la qualité. Et donc, il faut choisir un domaine pédagogique, une autre. Donc, on peut faire une revue de pairs sur tout, mais il faut choisir des fonctions, des domaines spécifiques. Regardez pour quel domaine les personnes sont certifiées, sont qualifiées. Et donc, c'est comme si l'on avoir un engagement, il faut pour cela chercher les personnes qui sont préparées pour faire ce type de revue, ce type d'analyse. Nous avons, lorsqu'on pensait au début, d'avoir une sorte de jumelage. Donc, il y avait une équipe qui s'échangeait les revues. Et alors là, c'est encore plus dangereux parce que si le premier groupe donnait un bon feedback, alors le deuxième pouvait être encouragé à faire la même chose en échange. Et alors, il faut avoir des praticiens, mais il faut avoir aussi des pairs d'autres pays. Il faut avoir deux types différents d'écoles. Et donc, il y a une structure de ce type et la décision à la fin est celle-là. Merci. Alors, une toute dernière question avant d'aborder le point final de cette session. Vous avez mentionné que chaque école peut choisir le thème. Est-ce qu'il serait préférable de choisir un thème commun pour les écoles pour avoir un type de recommandation qui peut être aussi appuyé au niveau du système? Oui et non. La méthode de visite de pair, de la revue de pair, est développée de manière permanente, constante.
Donc, je pense qu'il s'agit d'une méthode là où le père font partie du système. Donc, nous n'avons pas de père professionnel qui font une revue professionnelle. Mais il y a, disons, des avantages comme avoir des équipes en commun parce qu'ils doivent se parler. Donc, il y a facteurs positifs et négatifs, donc des avantages et des désavantages dans cette méthode. Mais il y a de différentes possibilités. Comme on l'a vu, il y a des points de force, points de faiblesse. Cela dépend aussi du système. Et il y a cela dépend, disons, pour l'école, aussi pour le père. Merci. Thank you, Eva. Thank you, Franz. Merci, Eva. Merci, Franz. Alors, les collègues, nous allons maintenant approcher la fin de notre webinaire. Et comme nous avons déjà une tradition appréciée de nos webinaires, donc forum, j'aimerais bien passer la parole à Keith pour les conclusions des présentations. Donc, Keith Broomfitt, qu'est-ce que vous aimeriez bien souligner du webinaire d'aujourd'hui, de la session d'aujourd'hui, la longue expérience pour l'assurance qualité avec un EFP? Merci. Je pense qu'il est clair que la revue de pairs est en train de devenir de plus en plus importante et la tendance porte à celle-ci au niveau national et aussi au niveau international. Et c'est très clair. Et je vais donner deux exemples. Je suis en train de faire une revue de pairs en Irlande. Qui dure 5 jours. Donc, je dirais qu'il s'agit d'un processus plutôt long. Donc, il s'agit de 5 jours pour regarder l'assurance de la qualité dans une région plutôt grande d'Irlande. Donc, là, il s'agit d'une revue internationale de pairs. Alors, je pense à propos de cela, lorsqu'on regarde le point de vue de l'Irlande, et le système irlandais se base plutôt sur les décisions du gouvernement, sur les rapports nationaux, sur la réduction de matériaux et de données. Les autres revues de pairs dont je suis engagée sont au Royaume-Uni. Elles sont plutôt différentes et sont basées sur le fournisseur individuel qui demande le support. Alors, je dirais qu'il s'agit presque d'une mode d'avis. Et alors, je peux voir le modèle sont différents. Et cela me porte à une sorte de conclusion frappante que les différences culturelles dans des pays différents sont très importante. Elle détermine comment les visites de pairs sont organisées. En Irlande, il y a tellement de compromis en termes de production de rapports, de sélection de pairs, et même la durée de la formation de pairs, qui prend par exemple une revue de 5 jours. Donc, les approches sont différentes en Autriche et en France, mais au Royaume-Uni, il s'agit presque d'une visite informelle organisée au niveau local et les informations sont gardées au niveau confidentiel, pas de gouvernement engagé, pas d'inspecteur engagé. Donc, nous avons des différences importantes. Et je dirais que le système culturel est déterminant, détermine comment les organisations organisent les processus de visite de pairs. Et quand je lis le rapport Leonard
d'eau sur les visites de pairs, je le trouvais très intéressant. Et la méthodologie de Leonardo a été développée de façon différente d'après les approches culturelles de différents pays. Nous savons que les approches différentes sont basées sur les approches culturelles. Et je trouve un facteur critique qui est comment chaque hôte va être visité. Alors, il ne s'agit pas seulement de fournir un feedback, mais le système, dans le système EFP, font quelque chose pour eux-mêmes, développent un sens d'appartenance, de responsabilité du système. Là, c'est les facteurs vraiment clés et critiques. Faire travailler les équipes ensemble, la phase de préparation est vraiment critique. Et enfin, l'une des choses dont il faut penser en termes d'assurance de la qualité est l'impact de ces activités. C'est quoi qui change? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites mieux de la part du système? La planification, l'évaluation sont fortes, mais il faut s'assurer que quelque chose arrive comme conséquence pour les apprenants. Là, c'est la phase conclusive, je dirais. Je l'ai résumé, mais je dirais avant tout, il y a des différences culturelles qui est quelque chose de positif, enfin. Parce qu'il y a toute une série de modèles qui peuvent être développés, qui peuvent s'adapter aux circonstances. Thank you very much, Keith. Merci beaucoup, Keith, pour ces observations conclusives. Avant d'arriver à la conclusion du webinaire, j'aimerais bien partager avec vous une observation. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, il y avait une question sur le forum à propos de membres du forum. Pour l'instant, les pays participants sont 16, la région des Balkans, la région de Turquie aussi. Compris. On est en train de songer à étendre l'appartenance à l'Asie centrale. Et donc, nous sommes en train de travailler à cela. Donc, dans le mois à venir, on va élargir le forum. Le deuxième aspect, nous avons eu un très bon rapport de la Tunisie, mais, on n'a pas pu le partager avec le public au sens large parce qu'il y a encore de données à vérifier. Il y avait eu de feedback, mais on n'a pas encore choisi de le mettre dans un espace public. Donc, on n'a pas encore choisi, mais le rapport était très, très utile. Avant de conclure et donner la parole à Nadia, à propos de l'open space, si l'on souhaite continuer la discussion, je vous prie de regarder le manuel et de nous rejoindre dans l'open space, dans l'espace ouvert, dans l'open space, pour partager vos observations, ouvrir une discussion et organiser des visites de pairs. Donc, je vous prie de vous engager et de nous joindre dans l'open space pour continuer à échanger sur ce point, sur les visites de pairs. Maintenant, je vais donner la parole.
À Nadia, merci les collègues. Avant de conclure, nous avons une très bonne suggestion de membres de l'Égypte de faire une photo de groupe. Ça serait une très bonne conclusion du webinaire. Donc, je vous invite à allumer la caméra de manière à pouvoir prendre une photo de groupe. Donc, de cette manière, nous allons tous être dans la photo de groupe, dans la galerie. Je vois qu'il y a encore deux caméras. Ne soyez pas timides. Je vous invite à vous montrer. Voilà, on va prendre la photo. Voilà, c'est une belle photo de groupe. Très bien. Merci. Merci à toutes et tous. Et alors, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. C'était très, très intéressant. Merci. Merci Eva et Nadia. Merci. Merci aux amis tunisiens aussi. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt.